anglophone.com. Et surtout soutenir la volonté de celui qui nous a quittés, c'est-à-dire le président Étienne Tshisekedi. D'abord, nous-mêmes, en tant que composantes, vous êtes des journalistes, vous êtes tous les jours avec nous, vous avez suivi la déclaration des alliés, les alliés ont parlé de nous, vous avez suivi la déclaration des G7, vous avez suivi la déclaration de la dynamique, vous avez suivi la déclaration de l'AR. Presque toutes les composantes ont soutenu que le Premier ministre viendra de l'IDPS, non pas seulement de l'IDPS, mais avec un nom qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et nous sommes venus pour demander aux évêques, du moment où le nom a été présenté lors de la rencontre avec nos amis de la majorité, maintenant, eux, ils ont la situation, qu'ils puissent transmettre ça au président de la République. Et nous avons réaffirmé notre volonté d'entrer en contact avec nos amis d'une manière officielle autour des évêques pour qu'avec la majorité ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui bloque pour qu'il puisse y avoir la matérialisation des premiers ministres dans ce pays. C'est ça le vrai problème. Mais au niveau de la majorité, on vous a demandé 3 noms. Non, le problème, c'est-à-dire, mais avant d'arriver à 3, dans la vie, il y a d'abord un nom. Nous avons déjà donné un nom. C'est nous d'abord qu'on entre en contact et en négociation, qu'on nous dise que voilà ces noms-là, ça ne vaut pas la peine, il y a ceci. Après, on verra. Mais qu'on examine d'abord les noms qu'on a donnés. Parce qu'on dit que le premier ministre vient du rassemblement. Le rassemblement a donné un nom. Allons-y d'abord. Allons-y. Mais ici, à la 5 ans, on a appris que le président Tshisekedi n'avait jamais laissé de noms ni de correspondances. Nous devons respecter la mémoire de celui qui nous a quittés. Le rassemblement a 5 composantes. Les 5 composantes ont réaffirmé leur soutien au candidat, donc au premier ministre du rassemblement qui doit être le premier ministre de la République, donc Félix Étienne Tshisekedi. Ce n'est que normal que cette volonté-là soit transmise et qu'on puisse engager les débats avec nos amis de la majorité autour de ces noms. Nous ne voulons pas engager les débats autour des données obscures. Il faut qu'on engage les débats autour des noms qui se retrouvent là-bas. Et les restes, ça sera les conséquences après les débats qu'on va engager. Mais qu'est-ce que les évêques vous ont dit aujourd'hui à ce sujet, par rapport à cette question-là? Nous sommes venus répondre à la préoccupation des évêques. C'est-à-dire, on est venu donner notre position. Les évêques maintenant vont recevoir nos amis de la majorité. Ils vont transmettre notre volonté aux amis de la majorité. Et après, on verra comme d'habitude comment la discussion va s'engager. Et tout pour nous dans l'intérêt du peuple congolais. Vous avez eu aussi des discussions sur le poste du président du CNSA? Oui, on a eu des discussions et nous avons dit que le président Étienne Tshisekedi, c'est un homme irremplaçable. Personne de nous ne va dire que je remplace Tshisekedi. Mais la fonction du CNSA, nous allons nous retrouver. On a demandé un peu de temps pour voir aujourd'hui si le plan de leadership, celui qui peut, après nos négociations, à ce moment-là, prendre le poste du président du CNSA. Et au nom du rassemblement.